Oh, vous avez une belle cravate, monsieur Coffre. Ben merci, mon petit Candide. Alors aujourd'hui, j'ai mis une cravate un peu spéciale. J'ai mis une cravate sur le thème de la pêche. Parce qu'on veut vous emmener découvrir les bons produits de la mer. Qu'est-ce que t'es en train de manger, mon petit Candide? Oh, c'est du petit surimi. Du surimi. Et qu'est-ce que c'est d'après toi, du surimi? Oh, c'est de la pâte de poisson. Exactement, c'est de la pâte. On sait pas trop ce que c'est. C'est orange, ça donne peut-être un peu envie à certains. On sait pas trop ce que c'est de la pâte. Moi, je vais te montrer ce que c'est du vrai poisson, mon petit Candide. Regarde-moi ça, mon petit Candide. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, du surimi séché. Non, c'est pas du surimi séché. Ça, c'est du thon fumé qui est produit à l'île-Dieu par des petits artisans locaux dans des fumoirs. Alors, tu vas me dire, c'est merveilleux. Je vais t'en découper une petite tranche. Tu vas me goûter ça, mon petit Candide. Alors, on en prend un petit bout. Vous pouvez vous le faire à l'apéro quand est-ce que vous voulez. C'est merveilleux. Tiens, goûte-moi ça, mon petit Candide. Et tu vas me dire ce que tu préfères. Alors avec ça, attends, je vais te donner autre chose, je vais te donner une petite crème crue, bien évidemment, une petite crème crue de la mourinerie. Alors attends, j'ouvre le pot, voilà, sens-moi ça, c'est merveilleux, c'est une odeur, ça sort, mais c'est merveilleux, ça sort juste du cul de la vache, c'est excellent. Alors, je vais vous te prendre, tiens, je te mets une petite crème, goûte-moi ça, mon petit Candide. Ah, tu manges, mon petit Candide, c'est merveilleux, goûte-moi ça, hein, que c'est bon, mon petit Candide. Ça sent vraiment du cul d'une vache? Mais oui, ça sort du cul de la vache, enfin, des mamelles, si tu veux, parce qu'on leur apprend plus rien à l'école maintenant. C'est honteux, ça. Alors, qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Bah, j'aime bien les deux. Hein. Mais comment ça? Mais c'est honteux, mon petit Candide. Tu vas pas me dire, mais regarde-moi, ça sent bon, ça c'est merveilleux. Alors, ben oui, ça vieillit peut-être un petit peu, donc forcément, ça sera pas la belle couleur rosée qu'on connaît, parce que c'est fait sans nitrite, bien entendu, mon petit Candide. Mais... regardez, alors on va me dire, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je jette, parce que ça c'est honteux ça, c'est pas de la poissonnerie, ça c'est de la merde, alors que ça c'est bon, voilà la différence. Mais comment on peut faire manger ça aux enfants de nos jours, nom de Dieu? Mangeons français, bordel de merde! Quand vous voyez ça, mais c'est, regardez-moi ça, c'est collé, c'est de la pâte, on sait pas trop ce que c'est fait avec du sang de chenille, que là, c'est des bons produits fermiers, je me trompe, c'est des bons produits qui proviennent de la mer, qui sont faits par des petits artisans, qui font travailler des pêcheurs, faisons-les travailler, bordel de merde! Vous avez une belle cravate, monsieur Coffre. Merci, mon petit Candide.